Dans la période que nous vivons là, il est bon pour nous réfléchir sur ce qui est passé dans l'histoire pays. C'est pas la première fois que gagnent des Haïtiens, des citoyens de valeur, cap goumen pour progrès avec démocratie dans le pays d'Haïti. Contrairement à ça en pile moun kwè, contrairement à ça certains moun fait haïtien kwè. C'est pas vrai que Haïti c'est pays vagabond, c'est pays voyou seulement. Si c'était vrai, pays ça t'a disparaître longtemps déjà. Gagne des haïtiens de valeur qui goumen à travers histoire pays a. Que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine littéraire, artistique, que ce soit dans le domaine businessio, que ce soit dans le domaine social, et c'est grâce à eux que Rete Kisho est toujours dans le pays. 1850-2010 fait justement 160e anniversaire de naissance de Youn Haïtien Sahayo. Et Haïtien Sahayo, je ne voulais parler de lui, je ne voulais pas c'est Joseph Anténor Firmin. 18 octobre 1850, 18 octobre 2010, fait 160 l'année depuis que Anténor Firmin était pris naissance au Cap-Haïtien. Pour année 160e anniversaire de naissance Firmin, voulu ou pas, le hasard a parfois fait bien les choses, gagné deux livres qui ont parlé de Firmin. Il y a d'abord un livre historique qui est écrit par l'ancien président de la République, le professeur des universités, Leslie François Maniga, et puis il y a un roman historique écrit par Michel Soukar qui est L'âge du tigre, journal de révolutionnaire. Anténor Firmin méritait que vous parliez de lui. Ici, la plupart du temps dans le pays, il y a toujours songé moun pour défaut. Tout le monde a des défauts. Firmin a des défauts, il était même des graves défauts, parmi lesquels il était reproché vanité. Mais cependant, l'être humain fait de qualité tout, et Anténor Firmin a des de très grandes qualités. Nous pas croyons que nous sommes capables de joindre une meilleure compétence pour parler de Firmin que le professeur Leslie Maniga. Et je vous dis, c'est avec en pile honneur et en pile plaisir que nous parlons pour se voir professeur Maniga, pas pour une seule émission, mais peut-être deux ou trois émissions pour parler quand même de ce grand haïtien qui méritait au palais de lui, c'est Anténor Firmin, parce que ici dans Haïti, nous plus parler de exploits vagabonds, de exploits flibustiers politiques, mais nous manquons parler de monde qui tenait des principes, qui sacrifiait tête pour eux, qui mourit pour eux, qui préférait tant confirmer des fois quitter pays a au lieu de patauger dans la boue des compromissions. Et nous pourrons parler de monsieur Saha parce que pays a besoin modèle, puis jeunesse la besoin modèle, et Anténor Firmin nous croit que malgré défauts, malgré faiblesse li, pour intégrité pour ça le remettre sur le plan intellectuel, sur le plan politique certains aspects, nous pensons que faut parler de lui. Professeur Maniga, c'est avec plaisir que nous recevons sur les ondes de Signal FM. Bonjour Michel, nous cap du même bail vous parce que l'on parlait d'histoire et particulièrement de certaines grandes biographies, c'est des portraits on sait de monde qui était fait pays ça et qui fait que effectivement on capable dire égalité des races maintenant. Moun lan se salye mèm li enkarne li. De pou wè li se salve li di. Et bien précisément, se pa par hasard que se Anténor Firmin qui parmi tout moun ki tap ekri à l'époque sou égalité des races humaines. Parce que on fait attention, tout historien haïtien, tout intellectuel haïtien, bon, à un certain moment, yo parle de l'égalité des races humaines, c'est ça qui fait indépendance là. En réalité, moi mal plus loin, moi dis que des fois, je ne pas rappeler l'indépendance là, puisque ce n'est pas l'appel pour me rappeler, tout le monde songe. Ça me rappelle, c'est l'égalité des races humaines qui fondement l'indépendance là. C'est ça, l'indépendance là, vraiment, c'est égalité. Eh bien, Mounge Kandeli, 12 janvier, ah, ça, c'est incontestable. C'est le savant de l'égalité des races humaines.
On peut étonner comme dit ça, je suis sûr. En plus, on a étonné. Parce que je dis, c'est firmé. Non, 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 non. Au niveau scientifique, c'est le 19 janvier. Mais, au niveau de l'inspiration, au niveau de la capacité d'incarner un idéal, au niveau de la prophétie, au niveau de l'incarnation de l'identité nationale haïtienne, alors là, incontestablement, c'est firmé. Pourquoi quand je me dis ça, c'est parce que tout de suite, je dis au qui m'avait dit en pile, en pile, en pile, et m'a pensé de firmé. Moun dit deux bagailles de firmé. Youn, c'est que, monsieur était suffisant, monsieur était orgueilleux, il était fier. Il a même dit, monsieur dit de tête li, comment dirais-je, préparé comme pas un, me chercher non. En pile texte, y compris un bon petit livre de Brunel Populus, firmé par lui-même. M'a joué une expression, non? Mais, c'est clair que dans l'esprit haïtien, l'esprit intellectuel haïtien, pas seulement l'esprit intellectuel, parce qu'il passait dans tout public là, il dit, ah, firmé, ah, ça, monsieur était vaniteux, monsieur était suffisant. Ah non, on ne dit pas dit le bail de ce genre. Bon, qu'on faut faire attention. Il faut faire vraiment attention. Pays ça, son pays, là où elle dit un bagaille, plutôt ou réfléchit sur ça pour comprendre pour qui ça le dit. Ça pour y dire de firmé, on est qui aussi bon, on a dit bah la gente, il est fort, on est là qui est fort, il connaît le fort. Mais c'est ça le problème. Non, gardez, il n'y a pas voulu que le monde connaît que vous faites. L'autre là capable, vous dites un tel fort, oui, c'est son l'autre qui dit ok. Si c'est vous qui dit lire, il y a conscience de ça, oh, je finis à coup, je finis à coup. Même tu vas te dire, bah, conscience, je connais qu'on coule, fais-tu au bail comme ça. Eh bien, fais attention. Pour que ça fait firme, tu connais que le fort, pour deux bagailles, pour deux raisons. Première là, c'est que, il est sorti très bas. Il y a un monde qui sorti très bas et qui vivait très haut, très haut. Il réalisait tout parcours, il fait. Et ça montait là la tête. Monsieur, mais un humain, c'est normal. Et puis deuxièmement, attention, monsieur vit vos vies qui mènent fait de gros bagailles. De gros bagailles. Est-ce que Firmenel fait, il reprend étoile ça, hein? Sûrement pas. Mais monsieur Rivet est le plus grand homme politique de l'histoire nationale. De toute l'histoire nationale. Attention, mon galerie, vous connaissez tout ce qu'on a fait. Je me dis, Metel, c'est belle maille sur le pays. Metel, c'est un grand nègre dans le pays. Nous sommes un pays qui a un paquet d'échantillons de grands hommes. Mais, firmé à son autre bagaille. Je continue à dire, il m'écrit encore, il m'écrit encore, c'est le plus grand homme politique de toute l'histoire nationale. Alors, on nous préciser, l'autre dit ça, professeur Maniga, on prend à partir de l'histoire nationale, ça veut dire à partir de 1804. Ah, ben c'est évident. Parce qu'il y a des gens qui mettent tout ça l'ouverture la dernière, parce que tout ça l'ouverture, c'est pas encore l'histoire nationale. Non, ah, ça, c'est l'autre affaire. Vous connaissez là encore, ne me pas faire une discussion sur ça, même dit que nous sommes déjà dans l'histoire nationale avec tout ça. Donc, vous pensez que Firmin dépassait tout ça? Bon! Tous ces son génie multinational. Mais, il était un problème. D'ailleurs, il dit lui. Il dit bon, où est-ce que côté mien là? Côté chita, c'est son majorité de ses esclaves. C'est ça qui fait force, moi. Mais attention, l'homme perd du force ça, pays avec 10 encore. Ah, son gros professeur, oui. Monsieur dit force côté chita, autrement dit, c'est pas lui-même. Li son grenade parce que li manipule force là, li range li organise force là, mais c'est pas lui même. Tout ça est un génie, pourquoi? Parce qu'il a pu organiser toutes les circonstances, y compris sa propre valeur, pour un but qui est extraordinaire, c'est que c'est lui le plus grand noir accédé par l'Occident. Attention, pas du grand noir tout court, ça c'est notre affaire. Mais le plus grand noir accepté par l'Occident comme le plus grand, comme le premier de sa race.
Même si ça a pris du temps. Bah, non, déjà. Déjà de son vivant. Déjà de son vivant, reconnaître. Oui. Mais là, c'est dans la discussion. Mais on vient sur l'affaire Philomène. Justement, je me que. On mette en place un jeune qui a 16, 17, 18 ans, je ne dis pas, qui tendait qu'on dit que Firmin, selon vous-même, c'est le plus grand homme politique de l'histoire d'Haïti. Mais il n'est pas contre Firmin. Hein. Qui j'en a fait pour présenter Antenor Firmin à jeune Captain Douyola? Bon. Si n'a pas à la racine. Bon. D'abord, il faut nous prendre le début de Firmin. Le début de Firmin. Ça fait valeur Firmin, c'est que déjà, dans les conditions de sa naissance, où jouait mon nègre qui a cherché qui bol qu'a privé. Comment vous l'utilisez? Ça le recevoir les fêtes là. Au salon, les fêtes là, il n'y a pas grand chose. Papa, monsieur, c'est un tailleur. Maman, son couturière. C'est artisanat du Cap Haïtien. Modeste. Et monsieur le quartier La Fossette. Modeste artisan. Mais, dès le départ, il y a quelqu'un qui dit, tu n'es que ça. Et bien, loin. De mes vins de l'or. Mes amis, ça soit extraordinaire, oui. L'un des plus grands écrivains du moment. Du gros problème à Firmin, ça le dit de Firmin. Petit nègre de La Fossette. Le petit nègre de La Fossette. Avec mépris, hein? Avec mépris, c'est pas seulement dédain, mépris. Le petit nègre de La Fossette. Publiquement, en audile, parce que c'est nos journaux que monsieur écrit. Évidemment. Donc, monsieur, au départ, il y a un problème de condition de naissance. Très modeste. Or, il connaît l'intelligent et il connaît le capable de travail. Voilà les deux atouts de Firmin à sa naissance. Premièrement, il connaît l'intelligent. Et deuxièmement, il connaît le capable de travail pour arriver au résultat. D'abord, il connaît l'intelligent. Il y a de rares témoignages de Firmin enfant. Firmin a gardé avec petit écolier pareil, etc. Et puis, le rentré la caille, il dit, papa, même moi qui j'ai mon nom à bouler comme ça, moi je ne vais pas bouler comme ça, non? Parce que je ne vais pas prêter dans la situation ça, non? Je remercie de ce qu'on m'était déjà coûté, parce que c'est le papa, monsieur, t'es connu, hein? Il était, bon, je ne vais pas dire l'instruit, mais en tout cas, il était scolarisé. Oui. Donc, monsieur fait non-milieu côté moun li écrit déjà. Ce n'est pas lui-même qui commençait à alphabétiser. Non, il était déjà non-milieu qui était porté là, ça. Bon, mais alors, monsieur, c'est ça qui est intéressant, oui. J'ai dit, moi, je ne vais pas prêter là, je ne vais pas prêter dans ce phase ça, et je vais garder les autres, je ne vais pas imiter. Et il y a un avantage qui est dans lui, c'est que il te donne des intelligent, c'est ça, oui, l'intelligent. Yo, Kimberly, tout côté lié, comme intelligent. Niveau primaire, les petits amis, les petits enfants, les collègues, les enfants avec Firmin, eh bien, professeur dit là, mon cher, ou même au baccalauréat, oui, continuez, encouragez-le. Jusqu'au baccalauréat. Parce que monsieur arrivé dans le baccalauréat, parce que au fur et à mesure, il ou quand on parle, ou quand on privé là. Et l'homme, c'est dans philo, je vais nous nègre, ou français d'ailleurs, ou ancien élève de l'école normale supérieure, qui trouvait, venait échouer en Haïti, parce que il parle régulièrement à titre institutionnel. Mais il était là, authentiquement ancien élève de l'école normale supérieure de Paris, qui fait filo avec lui. Parce que Firmin, Firmin, il y a non ça, ma formule, ça m'a balisé, ça m'a capable. Toutes mes complaisances, comme dit la Bible. Eh bien, imaginons,
que monsieur joue un rôle considérable du fait que Firmin vient nous connaître là. Pour qui ça? Parce que après, ça Firmin va le faire après. Il va pas faire grand chose, mais il va lire. Ah, Firmin va lire, mes amis, son autre problème encore. Capacité de lire et d'assimiler. La culture de Firmin, son manière extraordinaire, au point que me dise ce que je vais dire, parce que je ne suis pas correct, mais son manière de dire, vous faites mieux comprendre. Dit, c'est un autodidacte oui. Génie. Capacité de lire avec la guerre, pour l'assimiler, et puis pour le prendre, et puis pour. Écoutez, Firmin a une culture tellement étendue que Wabdou, mais ce n'est pas possible. Qui ça le balie? Et même dans la salle de il connaît côté là que lacune liée. Et c'est là le deuxième aspect des critiques vis-à-vis de Firmin. C'est que mon Dieu connaît que le pas passé dans l'université comme les autres. Vous voyez qu'il n'y a pas de méthodologie. Ah, voilà le gros problème des intellectuels essayant de juger Firmin, évaluer Firmin. Ils ont comparé nécessairement avec Louis-Joseph Janvier. Joseph Janvier, il fait faculté de médecine de Paris, diplômé au niveau. Il fait école libre des sciences politiques de Paris, il fait deux sections, il est diplômé dans deux foyers au niveau. Il fait faculté de droit de Lille, diplômé au niveau. Bardé de diplômes. Alors, il y a paraît, puis on dit, on compare avec Firmin. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Il faut reconnaître que Janvier était extraordinaire comme bardé de diplôme. Mais l'instruction au niveau de Janvier pas battre la culture que Firmin by tête au point que moi je crois véritablement que Firmin est un homme de génie. Ça m'a hésité. M'a dit le pile pour pile mon nom, mais m'dit le pour tout seul. M'dit pour. Ah, mais Christophe. Oui, évidemment. Après ces deux-là, m'a pas le gueule, non? M'a privé déjà sur Firmin. M'a privé déjà sur Firmin. Vous pour qui ça? Comme on dit, ah, mais attention, gueule, avant, pour arriver là. Ou même, je connais très bien. Pour que ça va dire Salomon. Dis attention, Salomon fut de nos plus grands hommes. Mais je ne dirai pas de Salomon que ce fut un homme de génie. Oui. Sans l'autre dimension. Attention, attention, attention. Donc c'est différent. Firmin, oui, pour moi c'est un homme de génie. Et alors, les critiques disent oui, ou elle dit, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de lacune, il n'y a pas de bagarre, etc. Donc on va considérer que, au point de vue intellectuel, on a des critiques là, oui. Même Lille, auprès d'un monde que nous tous connaissons, c'est l'habitude pour essayer de dénigrer le monde. Mais elle dit que, ou pas capable retenu Firmin comme au point de vue intellectuel, comme une étoffe extraordinaire, parce qu'il avait trop de lacunes, trop de faiblesses, manque de méthode, et que son livre est rapide. Le grand livre est rapide. Bon, m'accepter en évaluation que l'égalité des races humaines est un ouvrage rapide. M'accepter. Oui, parce qu'au fond, c'est un ouvrage polémique. Il fallait répondre. Mais évidemment c'est là encore le problème de l'intelligence. C'est là encore l'intelligence peut aller à des extrêmes extraordinaires sous pression et sous défi. Challenge. Oui. Firmin a eu un challenge. A fait depuis tout le temps, nègre inférieur. Je prends ça comme un challenge personnel. M'a répondu. Il m'a répondu, et après que m'a convaincu. Et surtout, il faut dire aussi que l'homme se rivait à Paris, accueilli d'ailleurs par Louis-Joseph Janvier. C'est exact. Monsieur Vigny pour le faire droit. Joseph Janvier dit, m'a fait connaissance avec les milieux qu'a occupé eux, dont science nouvelle que est l'anthropologie. C'est exact. Et là, monsieur arrivé dans la société d'anthropologie, hein, monsieur, ouais, tout le grand blanc à Ouchita considéré le temps continent, donc inférieur. Exact. Et qu'à l'époque,
la grande doctrine de Gobineau, de tout le monde, ça, yo, c'était que le blanc est supérieur, surtout le blanc à rien. Et que doctrine là, c'est qu'on bagaille son bagaille de deuxième main, de deuxième classe. Et que c'est où on a fait le bullshit là. Et c'est ce défi extraordinaire que firmait dit la relever. Relever des filles. C'est que ça l'idée, c'est le faut le provoquer ou pour jusqu'au bord caprivé. C'est ça. Et c'est ce qui est arrivé à Firmin. Et c'est pourquoi Firmin est effectivement un grand cerveau. C'est le grand cerveau. Maintenant, affaire, et donc, comme on cite ça, m'a dit tout de suite, vous ne pouvez pas oublier, affaire Jean-Pierre, sont bel exemple pour ça. Bel exemple à méditer. D'autant plus que nous parlons parler de signification politique du tout. Ah oui, parce que ça a une signification, une grosse signification politique. Nous parlons parler de ça. C'est un point dans l'entretien. Mais le 12 janvier, là, elle dit, m'a mené de tous côtés. M'a parrainé. C'est moi qui a présenté à la société d'anthropologie. Oh, le 12 janvier. Était un salomoniste enragé. Oui. Et Firmin a fui Salomon. Ah, alors, salomoniste enragé. Oh, Firmin sort. Je dis bien sort, puisque vous dites déjà. Sort du libéralisme. Justement, M. Sébastien, c'est partisan Edmond Paul, bon, et Basler. Il est sorti du libéralisme. Ça montre jusqu'à ce qu'il est arrivé. Il est arrivé au point que. On sympathie, on affinité, presque une identité intellectuelle, culturelle, entre les deux hommes, alors qu'ils viennent de deux milieux politiques différents. Ah, deux milieux qui ont un antagonisme violent entre eux. Violent. Même beaucoup quand on va plus loin, on va me dire son changement à 180 degrés. Moi, j'ai toujours trouvé ça admirable. Quand mon d'un coup janvier, j'en dis effectivement, professeur Maniga, un salomoniste virulent. Voici Firmé qui arrive d'Haïti, après pratiquement la débâcle des libéraux. Salomon essaye de râler M. Souli, parce que Salomon quand même une admiration pour jeune homme ça qui est brillant, fait le représenter Haïti Caracas. Le M. Tourné fait l'autre chose senti même que l'Igé poste dans le gouvernement. C'est ça. Et Firmé habilement, pour rester fidèle à ses idées, à option libérale, Monsieur viré col là et puis le parti là à Paris faisant laissant entendre que le parti pour aller étudier. Bon, il y a pas qu'à dire monsieur rien. Ou parti pour aller étudier et c'est pour exil ou après. Mais le connaît en son fort intérieur que c'est fuit pression Salomon. Définitivement. Mais ça me devait admirable là. Voici que Janvier qui pratiquement représente Salomon à Paris. Accueille Firmé comme un jeune frère. Normal. Et il connaît idée Firmé. Au-delà des clivages partisans, justement, la reconnaissance de la valeur. C'est extraordinaire. Et mieux, attention, moi, mal pile, oui. Ou mon petit maudit là tout à l'heure qui montre qu'il est là, ou là déjà. Donc, l'homme dit mal pile, c'est rejoindre ma proche. Attention, ça signifie aussi chef, mais lui-même, attention, un changement idéologique et social. Oui, ah, oui, c'est certain. Le Firmé qui est accueilli par Janvier, ce n'est pas le Firmé libéral et basléziste, non. Non, c'est le Firmé qui vient de faire un virage à gauche. Oui, monsieur plus ouvert. Ah, un virage à gauche. Firmé est parti du libéralisme basléziste, et puis il vient de qui ça? La démocratie sociale. Oui. Ah, Firmé est maintenant un démocrate social. Ah. Monsieur Pral sorti du libéralisme pour traverser la démocratie. Exact. C'est un démocrate social. Clair. Les textes sont d'une clarté aveuglante. Les citations. Tout le monde connaît mes amis qui parlent de Firmé, parce que c'est ça la grande pensée de Firmé. Il y a trois citations de Firmé qui sont d'une clarté incroyable. Et au bout, vous dites, mais après, au fil, les trois bagages, vous n'avez pas besoin d'écouter Firmé encore, non? Professeur Maniga, une question que je me suis posée. Est-ce que Firmé fait en 1850, c'est la période de Soulouk, qui est une période dure dans l'histoire d'Haïti?
Monsieur Paul fait enfance et adolescence si pendant la période de Geffrard. Côté sous Geffrard, il y a quelque peu à encourager l'instruction publique. Côté à multiplier l'école, professeur à droite à gauche, etc. Est-ce que l'atmosphère, ça, pas tant d'après ou même tout, il y a un genre agit tout sur le jeune athénophilien qui a grandi? Oui et non. Oui, comme condition générale. Des progrès qu'a fait dans le pays au niveau, progrès très relatif évidemment, mais au niveau de l'instruction, l'instruction publique. Gon moment où véritablement, bagayotere les dogmes élite haïtienne, li ébréché. Dogme élite haïtienne, c'est que maintenu peuple dans l'ignorance. Ça, c'est le dogme. Signé, Boyer. Signé, m'a dit, c'est ça qui a attribué le nom, signé, Boyer. Et à partir de là, effectivement, on va dire, ah, plus nous maintenons en bas, plus le du bon, puisque nous sommes supérieurs à eux, et nous avons manipulé eux. Or, précisément, à partir de 1843, la fameuse révolution de 1843, malheureuse, mais féconde. À partir de là, gagner yon courant, faut commencer à instruire mon yon. On aurait ferri. Ah, oui. Et alors, dans ce contexte, oui, d'accord avec vous, il y a des conditions générales qui ont fait que y a orienté yon vers l'instruction publique, et là, orienté vers l'instruction publique, là, ça fait que il y a des mouns qui étaient malheureux, qui étaient même ignorants à l'alphabet, yon j'ai une chance. C'est-à-dire que Kounia, on va parler non l'autre genre dans la question. Au lieu de dire en Québec ou en bas, on dit en bas, certains là, non, yo chance. Bah, yon chance. Et c'est dans ce contexte-là que je suis d'accord avec vous. Effectivement, ça va faire sortir des petits firmes. Des petits firmes. Bon. Et des petits janvier tout. Ah, parce que papa janvier, pas de bon, c'est ça. C'est exact. Mais la différence, c'est que quand même, Janvier a été poussé par un gouvernement directement, oui, c'est vrai. Personnellement. Il a été boussé. Personnellement, c'est ça, a été boussé, c'est ça. Bon. Donc, d'accord avec vous sur ça, c'est vrai. Mais attention, lorsqu'on prend un monde qui confirme, ce n'est pas nécessairement quatre catégories de monde que vous poussez, non? Il y a poussé une catégorie de monde. En se disant, on va le servir avec eux, on va manipuler eux. Or, Firmin est fier à la naissance. Il a une fierté native, congénitale. Même, écoutez, c'est extraordinaire. Ou bien Rémi, comment il est encore? Rémi, je vais monter son bureau. Je nouveau. Mais je vais venir tout à l'heure, évidemment. Non. Je là, de toute façon, de l'autre meilleur. Monsieur. Au début du firminisme véritable, c'est-à-dire 1902, monsieur dit, bon, gardez bien firme, salier. Nous n'avons pas quatre mounes avec nous. Et il fait une description du milieu firministe qui est extraordinaire, qui est circulant, peut-être là, j'en ai un titan, pour nous prendre, j'en description pareille de milieu sociopolitique. Extraordinaire. Il dit, mais ça que là-dedans. Je me suis dit, bon, c'est ça que là-dedans qu'on y est en 1902. Bon, et leur firme était commencé. Monsieur répond, lui dit, c'est même bagaille là. Parce que, ou aujourd'hui, ou l'homme, ou même où il a dit l'autre là, ou même où se définit firme, de manière aristocratique. Monde qui pas accepter n'importe qui on frère Ali. De considérer le supérieur. Je dis, mais où tu firmes? Je dis, firmes, t'es comme ça, l'aile, t'es petit. S'il a une fierté native. Dans ça, il va te changer. Même dans, au moment d'exprimer des idées qui sont des idées de république sociale. Même à ce moment-là, oui. Des idées démocratiques. Définis, monsieur. Bah dit comme Bazin, non, parce que pas moi comme Bazin, mais il définit comme altier, comme orgueilleux. Et le un aspect question qui est très important, parce que Firmin n'est pas le seul dans ce cas.
l'étranger a bout la firme. Il reconnaît que firme sont grand nègre, mais il pas remène. Il pas remène que firme pense conscient que li sont grand nègre. Ça se comprendre. Et étranger a li préféré, écoutez bien, oui, li préféré quelqu'un d'autre que Firmin, parce que Firmin trop fier, trop orgueilleux, ou pas cap manipuler, c'est un fier sicambre. Et ça, où je n'ai tout côté, oui, non, mais... Et où je n'ai jusqu'à présent? Mais oui, mais c'est une constante. C'est une constante. C'est une constante. Certains dirigeants politiques étrangers préfèrent avoir à des médiocres qu'avec des hommes de valeur, conscients de leurs valeurs et conscients des besoins de leur pays. C'est clair. Ça, c'est clair, il n'y a pas de doute. Firmin est un exemple. Mais quantité d'autres. Et nous n'avons pas fini. C'est évident. Alors maintenant, ces idées phares, justement, dans tes noms Firmin que nous avons parlé. Tu as parlé de Lio. Est-ce qu'on est capable de communiquer, mon capitaine de Lio, sont considérés comme les idées phares de Firmin? Oui. Mais ce sont trois passages de l'œuvre de Firmin. Je crois que si vous voulez connaître Firmin, il faut lire ce passage. Excusez-moi, je ne peux pas obliger Lio. Homme, je puis disparaître sans voir poindre à l'horizon national l'aurore, d'un jour meilleur. Cependant, même après ma mort, il faudra de deux choses l'une. Ou Haïti passe sous une domination étrangère, ou elle adopte résolument les principes au nom desquels j'ai toujours lutté et combattu, car au XXe siècle, et dans l'hémisphère occidental, aucun peuple ne peut vivre indéfiniment sous la tyrannie, dans l'injustice, l'ignorance et la misère. Et nous capables de dire que Saldé d'hier, c'était prophétique. C'est un texte extraordinaire, c'est d'une beauté émouvante. On va passer sous le même nation étrangère. Parce que je vois bouler ou bouler mal. S'ouvre les boulets pour aller nommer les étrangers, mais ça pour vous faire. Voici les valeurs. Ah! C'est un grand homme. Et c'est 4 ans après que M. Ebouza. Ah, mais bien sûr, 1911. 1911, l'occupation pour le fait. Mais oui, la privée. Bon, ça c'est Youn. Alors, nous parlons pour un deuxième. Un deuxième texte de Dante Firmin. Mm-hmm. Alors, comme ça pour nous dire tout, professeur Maniga, mm-hmm. c'est que des fois, l'homme a songé Dante Firmin, ou songé ce fameux poème de Baudelaire, l'Albatros. N'est-ce pas? Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Mais évidemment. C'est un peu. Bon, alors là, ça, c'est l'autre problème. Oui. Mais à la bagaille, pour le taou, dit que ça. Son problème, à savoir. Ou qu'on en s'envole, ou est qu'on capable de faire, ou gagner potentiel pour faire li, mais mon accord doit pas arriver, non? Justement. Ou pas faire, non? Ou pas faire. C'est la question que je pose des fois, tellement posée, lui, que me dit, est-ce que je ne peux pas faire mal? Je dis, ce dont un peuple est capable. Parce qu'il y a un génie, lui là, il est capable de dire ça pour faire et il est en mesure de faire. Li, ouais, comment vous le faites? Et la collectivité, est-ce qu'elle est capable de suivre? De soutenir ce projet? Ah, de le comprendre? Voilà mes problèmes. Mais bien sûr. Maintenant, deuxième citation. Écoutez, c'est le film est toujours. Voici le danger. Écrit Firmin. Pendant que la masse glisse sur la pente de toutes les dégradations humaines, sa misère, son ignorance et son immoralité s'étendent en toute une lave de malédiction qui contamine
les plus fiers de l'élite, dont la majeure partie perd graduellement, sinon l'intelligence, mais l'intégrité morale. Tandis que presque tous voient la misère générale les envelopper, les aplatir et les rendre indignes de figurer comme classe dirigeante. L'heure s'approche où la mesure sera comble en Haïti. Alors, il faudra s'attendre aux cataclysmes politiques qui sont les exutoires naturels de toutes les plaies sociales dévoilées ou cachées. Nda aimé qu'on explique au public là, Jean-Baptiste Diya dans langue maman nous, on s'affirme te ba là comme avertissement. Ah, monsieur dit, bon, c'est bien simple. N'a pas directement dans baïla parce que nous n'a dit tout le temps. Il dit attention. Pays ça a besoin d'une révolution. Est-ce qu'on capable faire? Parce que sous pas faire, on va périr. Ah! Pays ça a besoin d'une révolution. Est-ce qu'on capable faire? C'est ce que ça c'est en quelques mots, en une phrase ce que dit le paragraphe. Il dit où? A fait peuple pas bon. Parce qu'a fait le pas bon. Moral n'est pas bon. Il rentre qu'il y a une déchéance. Mais déchéance, il rentre là-dedans. Ah, vous croyez que ce peuple a tombé dans la déchéance là seulement? Mais pas vrai. Élite a tombé là-dedans. Élite a pris par magma peuple qui est là. Et c'est plus grave, parce que qu'il y a, c'est élite là qui, dans la dégradation, a fait que pas de chemin pour sortir. Pas de issue pour sortir. Ah, son analyse. Fume dans le cerveau, vraiment. On analyse extraordinaire. Et on analyse, attention, hein, on analyse saine. Ce n'est pas une accusation. Il n'y a pas chez Fume un ton d'accusation contre l'élite ou contre le peuple. C'est un constat. Ah! Ils font radiographie. Mais, voilà le mot. Merci. Voilà le mot. C'est une radiographie. Alors, vous ne comprenez pas ça? On a eu quelqu'un qui fâché, etc. Mais non, c'est une radiographie. Mais j'aime bien l'aïe. Faut mettre lui. Maintenant, le troisième point, c'est les firmes à analyser, sacrifier nous, en tant que petit peuple, par rapport à l'Allemagne de Guillaume II. Ah, l'affaire Ludes. Firmes décider que le font-il livre sur l'affaire Ludes. Bon, grand pile là-dedans, parce que Firmin n'est pas innocent non plus, complètement. Quelle est la diplomatie et diplomatie? Diplomatie. Monsieur Tevle dit que Solomonos a agi de cette manière. Il était grand patriote, mais malheureusement, il n'est pas capable de tenir tête. Alors, Firmin a expliqué que il y a des circonstances. Ou capable de tenir tête. Évidemment, il prend l'exemple de 1891. C'est-à-dire des ministres. Voilà, du monde Saint-Nicolas. Mais, Firmin m'a demandé Ménostrop. Il m'a demandé Ménostrop. Ménostrop était un grand homme. Ah oui, un grand homme. Une belle figure. Ah oui, il n'y a pas de doute. Grand patriote qui. Il y a maintenant, comment dirais-je? Il a maintenant fait distinguo. Il a dégainé des vertus, des valeurs. Bon, il a bêtisé. D'après Firmin, il a bêtisé. Mais attention, Firmin voudrait appliquer à la politique haïtienne du temps de Ménos le principe de Christophe. Oh, le principe de Christophe est exceptionnel. Et finalement, il est utopique. Et puis, égal à égal avec les grandes puissances. Ah, écoutez, surtout, c'est ce qu'il faut, ouais. C'est ce qu'il faut, ouais. Mais est-ce que c'est possible? Surtout dans nos périodes, côté l'État haïtien, c'était commencé à décrépitude tout bon. Ah. Alors, monsieur dit, faut nous voir qui j'ai un problème naïe, et c'est là qu'il donne. Il donne une, c'est pas la seule interprétation, mais une interprétation qui pour lui est grandement importante. Il dit, c'est race-là qui est mieux. Race-là qui est mieux. L'homme étranger à boule avec vous, c'est race-là qui fait.
ou gon problème. Et monsieur dit, son phrase que il y a des gens qui ont reproché lui parce que il a détaché du contexte. Firmin voyait toutes les causes. Maintenant, ça, il dit, quoi qu'on fasse, qu'on en parle de tout haut ou qu'on veuille la voiler sous des subtilités sournoises, la question de la race domine fatalement le problème de la destinée d'Haïti. Bon, nous pensons que ça a son bagage qui est encore actuel. Qui est encore actuel. Parce que Jean-Firmin dit là, même si je ne dis à l'étranger à Padio, qui met l'hypocrisie de côté, qui dit c'est parce qu'on manque chromosomes, ou qu'on manque chromosomes en plus, la question de la race demeure. Parce que si on bagaille, justement, que l'Occident, blanc, dit chrétien, pas jamais pardonné dans l'histoire paysanne, c'est que 1804 a été une révolution aussi antiraciste. Définitivement, oui. Largement. Au contraire, c'est de l'antiracisme. C'est de l'antiracisme. 1804, c'est de l'antiracisme. C'est ça. Et là, nous rejoignons à 100% l'opinion du professeur Juan Bosch qui était dit la révolution haïtienne est une révolution anticolonialiste, anti-esclavagiste et fondamentalement antiraciste. Et firmé ou reprendre ni tout. Alors, professeur Maniga, justement, nous arrivons là à un moment crucial, côté une histoire firmée, une histoire politique, c'est là tout que M. Pral fait en paquet ennemi tout. Dans un moment ça. Parce que, dans un moment, côté M. Pral, ministre des Affaires étrangères, ministre des Finances, Florent-Philippe Polyte, et dans un moment, côté sous-tirisé, à ce que parle le monsieur comme ministre des Finances, et que parle la fameuse cabale montée à la Chambre des députés par ce futur président d'Haïti, Sud d'Antignaf, à l'époque député de Nansavou. Et c'est dans deux périodes ça, côté à la fois firmé pour le faire le plus d'amis et le plus d'ennemis. Et c'est dans la période ça que le firminisme en tant que tel va naître. Alors, pour mon capitaine de vous, je vous rappelle d'abord cette fameuse affaire Girardi. Parce que c'est sous lui que M. Palchita, pour entre les lignes, j'en dis à la, lui fait Ménos la leçon en demandant trop à Solo Ménos lors de l'affaire Luders. Est-ce que c'est vrai, parce qu'on a souvent dit ça, deux bagailles. Est-ce que c'est vrai que dans la période de la guerre civile, entre Florent-Philippe Hippolyte et légitime pour le pouvoir, après la mort de Séyit Télémaque lors des confrontations à Port-au-Prince, est-ce que c'est vrai que Florville Tévoué Frédéric Ely cherchait aide aux États-Unis et que tu as laissé entendre qu'en retour de toute aide que l'Amérique a baisé, armes, munitions, l'argent, etc., tu as laissé entendre que tu as gagné éventuellement que si Florville prend pouvoir, que tu as accordé les États-Unis la jouissance du mol de Saint-Nicolas comme ça sonne charbon? Genre que en pile nek te kon fè miwatel avant ça. Et deuxièmement, lorsque l'amiral Girardi vient réclamer soi-disant la réalisation de cette promesse, Frédéric Douglas, ancien esclave, te représenté les États-Unis ici. Et Frédéric Douglas, il a souvent laissé ça entendre, peut-être même les anti-firministes, pour monter à dénigrer soi-disant compétence firmée. T'as laissé entendre, c'est Frédéric Douglas qui t'a suggéré, Firmin, fais appel à cet article de la Constitution haïtienne qui interdit l'aliénation du territoire à une puissance étrangère quelconque. Est-ce que d'après vous-même, vous avez un fondement dans l'accusation ça? Eh bien, on vient de la période-là. Parce que la période-là, c'est une période la plus importante, la plus originale, la plus significative aussi. De l'époque de Firmin, c'est-à-dire Firmin comme penseur et Firmin comme praticien. Son moment, il faut pile subtilité l'analyser. Parce que Firmin, à ce moment-là, Firmin a joué, l'a joué vraiment sur la dentelle. Firmin pas catégorique à 100%, non? Ah, je ne vais pas parler de ça. Je ne vais pas parler de ça, Kounia, précisément, parce que c'est le moment pour nous parler de lui. Qui genre de situation t'ayé en 1888-89, jusqu'à pour arriver à 1915.
sont en bataille intérieure. Intérieure. Parce que, après la, le départ de Salomon, c'est légitime qui mettait en position pour accueillir succession. Mais, la mort de Télémaque était la mort d'un homme du Nord. L'assassinat d'un homme du Nord. Le Nord a réagi en tant que ça. En plus de toute raison gain, oui, mais en tant que assassinat d'un homme du Nord. Et c'est d'embarrer ça que Firmin vient entrer dans la situation ça du côté de Nord Alexis. Nord Alexis n'avait pas encore affiché qu'il était candidat. Tout le monde savait que Nord Alexis était candidat. Tout le monde. Je me souviens un mot du général Maniga qui disait, parce que Maniga était quoi, que le tabac de la succession en Salomon, mais on me disait qu'il disait, ah, attention, moi je connais bien Nord Alexis. Attention, il a déjà son ambition politique de chef d'État. Je regarde bien vite. Bon, mais nous y sommes. Firmin entre dans la coalition du Nord. Il est, bien sûr, ministre des Finances et des Relations extérieures, c'est-à-dire l'homme fort. Nord Alexis, pas bête. Ah, certainement pas. Moi, Alexis dit, bon, m'gon force dans même l'armée. Je dis, non, toute armée pour être à Saint-Marc, il va rentrer dans Port-au-Prince. Monsieur connaît lui-même la rentrée dans Port-au-Prince quand c'est l'armée qui va le faire, chef d'État. C'est clair, c'est l'indicatif. Donc, il descend avec l'armée, il arrive à Saint-Marc. Ah, ça l'a fait. Est-ce qu'il a continué? Est-ce qu'il a franchi le Rubicon? Monsieur dit, là, descend sur Port-au-Prince. Seulement, c'est pas seulement le fait que lui-même, lui-là, il a décidé, et que le gon armé qui va le mettre au pouvoir, est américain. Ah, la question est posée. Firmin est là, hein? Firmin est à Saint-Marc. La question est posée. Et les Américains, tonton Nord qui pas bête, tonton Nord dit, moi-même, ma prendre avec force, mais femme américaine avec moi. Qu'a répondu Firmin? Je ne sais pas. Mais ne sachant pas ce qu'il a répondu, me constater son comportement. Il descend sur Port-au-Prince à la tête de l'armée avec Nord Alexis. Mais Nord Alexis, encore une fois, qui pas bête, l'irrivé Port-au-Prince. Monsieur Guélin pour aller au palais national. Donc, toute l'escorte après aller au palais national. Nord Alexis s'arrête à la porte de Port-au-Prince. Échange son itinéraire côté de Zabaléa, il vient directement dans la résidence du ministre américain à Port-au-Prince, Thompson. Il baille une leçon immédiatement. Il lui dit ceci, moi-même, je vais au pouvoir, armé, je vais mettre au pouvoir, mais c'est dans le flirt avec les États-Unis. Et l'homme du Congo, ça me dit ça, c'est parce que Firmin était à l'intérieur de ce flirt. Firmin était à l'intérieur de ce flirt. En 1891, lors de la démonstration navale de l'amiral Guérardi, question à poser. Est-ce que on a refusé Moll Saint-Nicolas? Firmin, intelligent, ayant une forte conscience nationale, et ayant aussi, et aussi légaliste, c'est-à-dire pour la Constitution, Firmin n'a pas dit non. Il n'a pas dit oui tout? Firmin a dit, écoutez ça, c'est intéressant parce que c'est les articles de l'Ordre, là qu'on vient de ça. Firmin a dit, en nous qui gens pour poser problème ça d'interdiction constitutionnelle là.
en nous voit comment pour nous poser. C'est tellement vrai que Gérardi a eu le temps d'envoyer un câble à Washington pour dire Firmin ne s'oppose pas vraiment à la sécession. On considère la situation pour nous qui est pour nous sortir dans la situation. Là, son homme qui connaît folle pas Bailey, mais le pape le dit, il dit pas Bailey parce que le pape a brusqué américain en face. Et à ce moment-là, imaginez, oui, c'est vrai, son dit, c'est vrai. À ce moment-là, Gérard dit, bah, monsieur, on perche. Gérard dit ceci. Gérard dit pas dit, attention, constitution, on pas voulu, non? Ah non, c'est pas ça Gérard dit, non? Ah non, non, ce ne fut pas l'argument de Gérard dit. L'argument de Gérard dit est plus beau. Monsieur dit, j'aime moins pays ça, dit pas bon pour nous si nous essayons de prendre. Car les choses étaient, la phrase est formidable. Car ce peuple s'opposera avec la force de granit contre l'Américain met des pieds sous territoire national. Voilà l'argument de Gérardi. Extraordinaire. Et il a envoyé ça au département d'État. Vous dire, c'est la dernière phrase de la dépêche de Gérardi au département d'État. On dit au département d'État. On dit au département d'État. On dit au département d'État.